Ben moi, je suis sur la Côte d'Azur, dans une petite maison de campagne. Voilà, le temps est super, le cadre est vraiment sympa. La mer est juste à côté, même si on ne peut pas y aller, c'est... Ah, viens, c'est là, vraiment... je vais faire quelques courses à Créteil Soleil, tu veux un truc? Je me trouve avec une sorte de Pokémon, je sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Topicœur. 10h ou Netflix, nous c'est vrai qu'on est plus Spotify. Voilà, on écoute pas mal de latino, pas mal de R&B, des choses comme ça. Ça, j'avoue que je sais pas trop. Bah, du t'en penses quoi? De quoi? Bah, si on préfère Top Chef ou les pâtes Carbo. Bah, avec ce qu'a dit William Vigier, il a dit qu'il était en CAP pâtisserie et que c'était plutôt Top Chef. Vu ce qu'il fait comme pâtisserie, on est tous capables de le faire. Donc Top Chef, non? Ouais, Top Chef. Ouais. Bah là, pendant le confinement, je dirais plutôt un bon bouquin. Moi, je me suis acheté Histoire de France pour les nuls. Voilà, j'apprends pas mal de choses. Et Juju, toi, tu m'avais dit, t'étais sur quoi déjà? Je suis sur Rafa Nadal, là. Putain, il est passionnant, ce mec, hein. Donc voilà, pour se maintenir en forme, nous, je pense que vous l'avez vu, on a un programme à suivre fait par notre préparateur physique. Donc voilà, c'est vraiment super important pour nous de garder ce rythme-là. Et derrière, en termes de nutrition, on fait aussi un effort de vraiment manger sainement parce qu'on sait que c'est dans ces conditions-là qu'on peut vite craquer et avoir des excès. Donc je vous invite aussi à faire de même, à manger sainement, à pas trop grignoter et peut-être éviter aussi l'alcool, voilà, boire avec modération. Voilà, chose à faire à la fin du confinement, je pense que c'est un petit week-end vraiment tranquille à l'appart pour se ressourcer, quoi, et avant de repartir de plus belle à l'INSEP. Et surtout, restez chez vous. Super.